devenir un héros, ce n'est pas difficile. Yolo tout le monde, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un coup de chapeau Mister Freeze, donc l'épisode, si je me trompe pas, l'épisode 5. J'ai actualisé vos défis dans les petits papiers qui se trouvent ici, dans les petits papiers défis. Donc du coup, tout simplement, on est parti pour trier un défi et le faire pendant cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai un chapeau un peu spécial, comme tous les chapeaux que je mets. De toute façon, je ne mets pas des chapeaux complètement pourris. Un jour, il faudrait bien que je les mette. Parce que tout simplement, j'aurais plus de chapeau spécial, mais ce chapeau, il a un aspect assez particulier, même assez historique, vu que c'est le chapeau de mousse à mon père. Donc mon père est donc marin d'état, pour ceux qui ne savent pas, j'ai peut-être dit à certains, d'autres, une grande partie ne doivent pas savoir, parce que j'évite, au niveau de la vie privée, très privée, de le dire, mais au moins, voilà, mon père est marin, et il a commencé tout petit mousse, et actuellement, il est... Il a encore quelques années à faire, un ou deux ans, je sais plus, avant d'aller à la retraite. Et il est actuellement major, donc il y a quand même une sacrée évolution en termes de grade. Surtout que voilà, ce chapeau de mousse a plus de 30 ans. Hein. Ce chapeau de mousse a au moins 32, voire entre 30 et 35 ans d'existence. Donc c'est un chapeau qui est quand même assez vieux et avec le petit pompon. Donc je le touche en espérant avoir un bon défi. Parce qu'il y a quand même des défis de taré dans ce que vous m'avez proposé. J'ai le micro qui tombe complètement. C'est très très chiant. Donc... petite ellipse, je le mets bien. Donc voilà, comme ça, je sais pas qu'est-ce que ça donnera, je verrai bien au montage. Mais allez, on est parti pour mettre les petits papiers et ensuite, et bien tout simplement, pour voir le défi qu'on va trier. Alors, j'enlève le micro. Voilà, nickel. Voilà, donc excusez-moi, petite grande ellipse de 1 heure, tout simplement, parce que j'avais des petites choses à faire. Et on va mettre tout simplement les petits papiers dans mon petit chapeau pompon. Voilà, et on va partir en défi. Donc hop, je vais mettre tous les papiers qui sont tous ici, là, hop, il y a tout un bordel pas possible. Il y en a, ils sont même pas pliés, etc. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux, hop, hop. Mais bon, c'est pas grave, on va fouiller au pif. Hop, il y en a encore un ou deux, là. Voilà, donc allez. Donc là, vous voyez, on est... c'est... le chapeau est bien plein quand même. Allez, on va fouiller dedans. C'est pas évident celui-là est assez plat. Donc du coup, ça va pas être évident. Je regarde pas. Hop, voilà, on a notre papier. On vide de tout. On va remettre notre chapeau. Voilà, on va remettre le casque micro. Excusez-moi pour les bruits, hein, ça peut être peut-être un peu gênant. Le micro que j'avais mis comme ça tout à l'heure. Et alors, faire le chemin Dark Blade avec la souris dans la main gauche. Ouh là là, ça risque de pas être évident. Bon alors, le chemin Dark Blade, si je crois bien pour le chemin Dark Blade, je viens d'aller vérifier vite fait, voilà. Donc le chemin Dark Blade, il faut aller... Par contre, je connais pas du tout le chemin. Oh là là. Je connais pas du tout le chemin. Je crois qu'il faut aller au bord de la forêt maléfique avec un ongle de carne, de chevaucheur de carne, je crois que c'est ça. Donc on va aller acheter notre ongle et du coup on se retrouve devant le chemin de la forêt. Donc voilà, on est devant la forêt maléfique, donc l'entrée du chemin du Dark Blade. Et donc du coup, il faut que je prenne ma petite souris qui est ici et que je la prenne de la main gauche. Donc je vais pas forcément vous filmer tout le bureau parce qu'aux alentours du bureau, c'est un peu le bordel. Ici, il y a des boîtes de jeux vidéo, ensuite il y a du gâteau par ici parce que j'ai goûté. voilà, donc je vais pas vous filmer, mais bon, vous voyez, ma main droite elle est ici, je peux même la laisser à côté de ma tête. Et voilà, ma main gauche elle est ici avec la souris. Et donc du coup on va se déplacer. Donc apparemment c'est pas du tout évident. Je sais pas, on va voir. Parce que je suis quand même assez habile au niveau des... J'ai la chance d'être... Bon, je suis droitier. Mais j'ai quand même la chance d'être assez habile au niveau de mes mains. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses avec la main droite. Bon, pas la souris, j'ai toujours cliqué avec la souris. Et je peux vous dire que je ne connais pas du tout le chemin pour aller au Dark Lake. Donc en fait je crois qu'on va se perdre très très souvent. Et ça fait un bail que je n'ai pas été au Dark Lake. Vous voyez que je galère quand même un peu à placer bien la souris, etc. Je crois que les monstres, ils agressent. Donc faut qu'on fasse gaffe.
Hop, et je peux même, je suis sûr que je peux même faire le chemin du Dark Blade avec mon pied. On essayera tout à l'heure. Ça risque d'être moins évident. Hop là. Ah, vous voyez, je suis agressé. Oh, ça va, pas un chat-fer invisible. Donc on va faire le combat toujours avec notre main gauche, avec des sorts que nous n'avons pas, malheureusement. Donc du coup, on va devoir les mettre. Je sais pas, un sort qui fait mal. Ce serait plutôt cool. On va mettre destin parce que sinon on va être dans le caca. On a rien monté comme sort. Donc on va éviter de se faire agresser. Mais vous voyez que bah c'est pas non plus super difficile. Il suffit en fait d'être débrouillard avec ses deux mains. Voilà, il a réapparu. Bon, c'est un peu plus long, je trouve. Surtout que vu que nos sorts qui rock, c'est pas du pâté, vu qu'ils sont level 1 et vu qu'on n'a pas nos panneaux. Hop. Et je vous expliquerai bah, dans la vidéo de mercredi, vous comprendrez pourquoi j'avais pas ma panneau, etc. Alors là, maintenant, je sais toujours pas où je vais. Je connais pas du tout le chemin. Pour vous dire, j'ai fait qu'une fois le Dark Blade dans ma vie. Donc, ça, c'est Dark Blade. Avant, je crois qu'on avait une minimap où on pouvait voir le labyrinthe. Maintenant, je crois que c'est plus possible. Le Dark Blade, il se trouve au niveau du prisme ici. Et donc, du coup, faut réussir à descendre. Je vais pas réussir à descendre, je vous l'avoue direct. Et puis ce défi, je le trouve un peu trop facile. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que je me débrouille plutôt bien. Là par contre, on va essayer d'esquiver ce groupe de mobs. On va voir si on réussit. Nickel, Jean-François, il a réussi. Donc, allez, on va cliquer avec les pieds. Ça va être drôle. Ça va être drôle, petit défi. Je pose la souris par terre et bien tout simplement j'ai mes mains qui sont ici. Vous voyez la bougie, la souris bouger. Donc là je suis bien. On va cliquer. Ah non, mince, il va falloir esquiver sans se faire agresser. Ah c'est bon. Nickel. Ensuite on se déplace là. Ah putain c'est pas évident. Avec le pied, je suis pas un footballeur né moi. Mince, c'est pas cliquable. Ah, c'est bon, nickel. Ah, j'ai bougé! Ah, nickel, les yeux ils sont barrés. Ah, c'est bon. En fait, je suis en train de cliquer avec le pouce du pied, c'est assez incroyable. Nickel. Allez, bouge. Vous voyez, on dirait un autiste. Je sais pas, non, pas un autiste, parce que c'est pas drôle. Faut pas se moquer des autistes, mais on dirait je sais pas, un débile en train d'essayer de cliquer. Oh putain, mais le Bwork en plus il vient d'apparaître. Non! Foutage de gueule, je suis obligé de faire demi-tour! Ah, c'est bon, j'ai pris. Maintenant c'est bon, je pourrais jouer avec mon pied, j'ai pris les choses en main. Oh! Non, agressé! Bon, je vais essayer de jouer un peu pour vous faire plaisir et je pense que je vous mettrai pas tout le combat. On va arrêter le défi ici parce que vous voyez que Freeze, c'est easy pour lui. Je vous montre même que c'est easy de faire un combat avec le pied. La main gauche, je vous l'ai montré. Maintenant, avec le pied, tellement que je suis un ouf. Hop! J'ai toujours mes deux mains. Vous voyez ici, la souris, elle bouge. Je la bouge vraiment avec mon pied. Hop, encore une fois, c'est le chapeau de marin en fait qui. C'est bon, ça me donne de la force, tu sais, c'est la force du pied quoi. Tan, 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 tan. Alors là, on va essayer de taper deux fois le chat-fer. J'ai toujours les mains libres. C'est bon. On va aller le taper une deuxième fois. Par contre, pour essayer de jouer rapidement. Ça serait un peu plus compliqué. Hein. Ah, il meurt même pas le chat-fer. Et on passe même notre tour tellement que c'est easy. Allez, on va même pouvoir abandonner tellement qu'on a de la précision. Hop, et j'ai fait avec le pied droit. Mais j'ai pas fait avec le pied gauche. Ce qui là s'annonce vraiment beaucoup plus délicat. Je vais essayer d'appuyer sur fermer. Fermer. Ah. Ah ouais, là c'est beaucoup plus dur. Ah non, j'ai zoomé avec la molette, avec la 2.16. Ah, je vais essayer de dézoomer. C'est bon, nickel. Bon, allez, on va arrêter là. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine.
Eh bah, tout le monde, et en tout cas, bah, je vous invite à essayer de jouer avec votre pied à Dofus. Le pied, en tout cas, votre pied de prédilection, c'est vraiment plus simple qu'avec votre pied gauche. Ça, je peux vous l'assurer. Eh bah, tout le monde, tchuss!